sur toi. Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Sors. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Allez. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. C'est la paix de ton règne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus la libère maintenant. Au nom puissant de Jésus. La puissance de Jésus la délivre maintenant. La puissance de Jésus la délivre maintenant. Amen. Parlez. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Je libère sa vie. Au nom de Jésus. Je libère sa vie. Au nom de Jésus. Ouais, libère-la. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Allez. Allez. Au nom de Jésus. Allez. Au nom de Jésus. Allez. Libère. Au nom de libère. Jésus. Libère. Au nom de Jésus. Libère. Allez, libère. Au nom de Jésus. Libère. Allez, libère. Au nom de Jésus. Allez, 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 libère. Au nom de Jésus. 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 Lâche-la. Libère. 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 Au nom. Libère. Libère. Sors. Nom de Jésus. Allez. Quitte le ventre. Au nom de Jésus-Christ. Quitte le ventre. Au nom de Jésus. Quitte. Au nom de Jésus. Quitte. Quitte. Au nom de Jésus. Quitte. Mais pas bon chasser du mal. Quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Allez, nom de Jésus. Allez, au nom de Jésus. Dégage au nom de Jésus. Dégage au nom de Jésus. Dégage au nom de Jésus. Ça dépend plus d'une année. Plus d'un an, 6 mois là, le ventre. Plus d'un an, 6 mois, bientôt 2 ans, c'est ça. Bientôt 2 ans, le ventre. Ça fait 2 ans bientôt. Dégage, allez. Au nom de Jésus. Dégage. Au nom de Jésus. Allez. Au nom de Jésus. Allez. Au nom de Jésus. Allez. Au nom de Jésus. Libère. Au nom de Jésus. Libère maintenant au nom de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. J'ai détruit ton pouvoir dans ce corps. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. J'ai détruit ton pouvoir maintenant. Maintenant même. Maintenant même. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance. Oui. Pas. Je te libère. Pas. Je te libère. Pas. Je te libère. Au nom de Jésus. Je te libère. Maintenant. 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 Je te libère. Au nom de Jésus. Qui est dans au le nom, nom de Jésus-Christ, je te libère. Au je te libère. Nom de Jésus. Maintenant même. Au nom de maintenant Jésus. Même, je te libère. Au nom de au Jésus. Jésus. Reçois ta délivrance. Au nom de 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 Jésus. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dégage! Au nom de Jésus! Dégage! Au nom de Jésus! Dégage! Au nom puissant de Jésus! Allez! Au nom de Jésus! Allez! Au nom de Jésus! Dégage! Dégage! Au nom de Jésus! Dégage! Au nom de Jésus! Libère! Libère-la! Au nom de Jésus! C'est un ordre! Au nom de Jésus! M'attends! Libère-la! Au nom de Jésus! C'est un ordre! C'est un ordre! Au nom de Jésus! C'est un ordre! C'est un ordre! Au nom de Jésus! Dégage! Au nom de Jésus. Dégage. Au nom de Jésus. Dégage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Oui, libère le vent. Libère le vent. Libère. Libère, libère ce vent. C'est un ordre. Au nom de Jésus. Libère-la. Au nom de Jésus. Allez. Au nom de Jésus. Dégage. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dégage. Au nom de Jésus. Dégage. Au nom de Jésus. Libère. Au nom de Jésus, libère ses entrailles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La puissance de Dieu te libère. Amen. Maintenant, elle te libère la puissance de Dieu. Amen.
Jésus te délivre maintenant. Amen. Jésus libère ton ventre maintenant. Au nom de Jésus. Jésus te délivre maintenant. Amen. Jésus te délivre maintenant. Amen. La puissance de Dieu te libère maintenant. Amen. Elle te libère la puissance de Jésus. Amen. Te libère maintenant même la puissance de Jésus. Amen. La puissance de Jésus te libère. Amen. La puissance de Dieu te libère. Amen. Et maintenant même. Et maintenant même. Amen. Reçois ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Reçois maintenant ta délivrance. Au nom de Jésus. Reçois maintenant ta délivrance. Au nom de Jésus. Reçois là maintenant la délivrance. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Et maintenant même. Maintenant même. L'Esprit de Dieu te libère. Amen. L'Esprit de Dieu te libère. Amen. Et maintenant même, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Ouais. Au nom de Jésus. Ouais. Ouais. Au nom de Jésus. Une onction de miracle. Une onction de guérison. Au nom de Jésus. Une onction de guérison s'empare de toi. Au nom de Une onction de miracle s'empare de toi. Au nom de Une onction de miracle. Miracle. Vous voyez? Elle est en train de combattre elle-même, tu vois, vous voyez. Elle est dans un esprit de combat. Dans un esprit de combat. Au nom de Jésus. Oh my God, merci Jésus. Merci Jésus. Elle est en train de livrer un combat. Elle est en train de livrer un combat. Oh, d'abara, sans kabababa. Oh, d'abara, sans kabababa. Oh, d'esprit, ça va. Aboa pugnole, Jésus a gagné moi. Aboa pugnole, la gagné moi. Aboa pugnole, Jésus a gagné moi. Aboa pugnole, I know, I know, I know, I know, I know, I know,
Oh,
Patako, lo maya o,
bagonema ma dodo patako lo ma yeo eli ela gonema ma dodo patako lo ma yeo obia wala gonema ma dodo patako lo ma yeo eli ela gonema ma dodo patako lo ma yeo lo ma yeo lo ma yeo Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! Il est le Dieu qui délivre toujours. Amen. Jésus n'a pas changé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il a dit, parce qu'il m'a me choisi pour annoncer une bonne nouvelle, c'est vrai, mais pour libérer les captifs. J'ai dit, il ne suffit pas seulement de prêcher Jésus-Christ, mais vous avez des captifs de Satan. Vous devez libérer les gens de la captivité. D'autres sont dans une prison spirituelle. Bien qu'ils soient à l'église, ils sont encore possédés. Ils sont dans les églises possédées. Jésus est rentré un jour dans un temple où il avait une femme bossue, possédée par un esprit. Il y avait tous les pharisiens qui ont commencé à murmurer. Jésus a chassé l'esprit. Il y a des gens qui sont à l'église qui sont possédés. Victimes de la sorcellerie. Ils se sont dit prêcher. Ah, il prêche un bon message. Le pasteur prêche. Mais c'est vrai. Ça ne va pas de pair. La prédication, l'onction vont ensemble. Après avoir pris de prêcher, il faut délivrer celui-là qui t'écoute. Parce que s'il n'est pas délivré, il ne pourra pas mettre la parole de Dieu en pratique. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens n'ont pas ce discernement. D'autres font croire aux gens, n'allez pas dans vos villages parce que vos sorciers veulent vous tuer. Mais les sorciers depuis New York, que tu vois, ils ont la capacité de voir depuis New York. Ils ont la capacité de détecter depuis New York. Il ne suffit pas de demander de les fuir. Il suffit de demander d'avoir Jésus, c'est tout. Et quand tu as Jésus, il faut leur démontrer que celui qui est derrière toi est fort. Il ne faut pas avoir peur. Si tu as peur du diable, c'est dangereux. C'est une manière de banaliser la puissance de Dieu. Ce n'est pas de croire à la puissance de Dieu. Moi, je crois à la puissance de Dieu. Donc, j'ai dit au monsieur, tu es délivré. Va dans ton village, c'est toi qui dois investir. Celui qui t'attaque rencontrera Dieu. Il dit, celui qui m'endort, ses ennemis seront mes ennemis. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tes ennemis deviennent ses ennemis. Toi, tu n'as rien à faire. C'est une promesse de Dieu qui doit s'accomplir. Sinon, il devient menteur. Amen. Je dis, le jour sorcier me tue, Jésus démission du ciel. S'il m'enverse, moi, il fait deuxième rébellion au ciel. J'ai dit, tu m'as menti. C'est pour ça qu'il me suis engagé dans ce combat. Si tu disais vrai, mais je sais qu'il dit la vérité, ben, tous les sorciers sont levés contre moi, ils sont tombés. Amen. Ils tomberont toujours. Amen. C'est pour ça que je l'aime, je le sais. Amen. Sans perdre ni crainte. C'est quand tu me menaces que je suis plus fort. Il a mouru. Jésus a vécu la mort. C'est la mort. Tu ne dis pas que tu dois me prêcher. Amen. Amen. N'ayez pas peur de la sorcellerie. La Bible dit que ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le sorcier. Ce qui est en vous, la puissance de Dieu. Je vous enseignais hier, Élisée a dit à la femme, qu'est-ce que tu as? Eh bien, produit de l'huile symbole l'esprit. Il dit, va. Va et œuvre avec ça. Vous avez quelque chose de fort en vous. Ne vous faut pas te sous-estimer, il ne faut pas te banaliser. Parce que celui qui est avec toi est fort. Amen. Vous allez voir les temps qui suivent, les sorciers vont tomber de vos vies. Amen. J'ai prié fortement cette nuit avant de me présenter devant vous. Les gens vont quitter le trône. Vous allez les posséder, amen. Amen. Je vais commencer à aller comme sur des roulettes. Parce qu'il y avait quelqu'un d'étranger sur le trône de ta vie. Amen. Le roi, la royauté caractérisée par le trône. Amen. Jésus, quand il est né, on a vu c'est le trône, on a dit c'est un roi, mais il y avait quelqu'un qui était sur le trône. Il était à Jérusalem. Jésus a quitté Jérusalem, Marie, Joseph, tout ça. C'est quand le roi est parti du trône que Jésus est rentré à Jérusalem. Amen. C'est le temps où tu dois posséder le trône. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui doit posséder ton trône. Tu crois pas à ça? Amen. Amen. Ah, il dit, tu dois avoir l'argent. Je vais t'expliquer. Oui, tu dois content. Ah, maintenant, on dit quand les joueurs sont venus là, ils ont enlevé quoi de trésor? Tu vois là? Ils ont enlevé le trésor, l'argent, tout ça donné. Puis ils ont parfumé Jésus. Le parfum est un parfum de grande qualité. Amen. Amen. Ils vont pour un témoignage. Ils vont te parfumer, c'est toi. Ces personnes-là, ils vont te. Toutes les honneurs aussi. C'est pas quand tu combats, tu importes. Ah, je suis attaqué parce que tu importes. Jésus m'a dit son sorcier. Hérode voulait la vie de l'enfant, c'est un sorcier. Celui qui a voulu ta vie, c'est un sorcier. Parce qu'ils savent ce qu'il y a en toi.
va quitter le trône. Amen. Il parle, lui, le trône. Pendant qu'il parle, ses fesses sont en train de bouillir. Là, comment ça va évoluer? Au nom de Jésus. Amen. Amen. Là où il a assis, il a commencé à avoir hémorroïdes. Mais ce n'est pas pour lui le trône. Hémorroïdes, c'est lui. Il a envoyé 25 boutons. Là-bas, là. 25 boutons. Ne dis pas le nom. Vous n'êtes pas avoir bizarre. Amen. Mais si ça ne le brûle pas, il ne va pas s'élever. Il y a 25 boutons là où vous connaissez là. 25 boutons. Chaud. Le feu là-bas. Il quitte le trône. Dis amen. Amen. Vous allez rentrer en position du trône. Vous savez qu'on est assis sur le trône, on n'a plus de fort à faire. Jésus-Christ est assis, il est couché dans une crèche, vous savez, dans une bergerie sale. Sale. Toi, tu es dans un village bizarre. C'est quelque part bizarre, tu ne ressembles à rien. Mais tu as le trône sur toi. Amen. Monsieur important. Va quitter les États-Unis, je dis. Chérie, c'est toi. C'est toi, l'élu de mon cœur. Ça, c'est moi, oui. Bozoa, c'est toi. Tu devais apporter le talon. Mais là, c'est entraînement, amen. Entraînement pour t'épouser. Bozoa, faut porter. Bozoa, très forte. Mais il est prêt pour toi, amen. Il t'aime vraiment. Alléluia. Faut pas. C'est à toi le trône. Amen. Ils ont vu son étoile briller. Ils sont les gens dans une bergerie sale. Tu es sale peut-être aux yeux de tout le monde. Mais Dieu te voit propre. Dieu te voit. Dieu voit ton étoile. Ils sont là, t'es caché quelque part. Dieu permettra à celui qui doit te bénir de te dénicher de là pour t'amener sur le trône. C'est toi qui posséderas le trône. Amen. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ils quitteront le trône avant la fin de cette année. Ils quitteront le trône de ta vie et tu rentreras en possession de ton trône. Au nom de Jésus, c'est toi le trône. C'est à toi le trône. Je les terrasse tous au nom de Jésus. Entre en possession de ton argent, entre en possession de ton mariage, entre en possession de ta santé, de ton voyage. Ce qu'ils ont dit là est annulé au nom de Jésus. Dieu va les confondre. Ils seront tous confondus dans le nom de Jésus. C'est à eux de mordre la poussière. Au moment où Hérode s'imaginait qu'il avait tué parmi ses enfants Jésus, il avait menti. Dieu l'avait caché. Dieu est en train de te cacher. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'important. Tu dois régner. Il dit selon la parole des prophètes. C'est selon ce que les prophètes ont écrit. Les gens ont regardé. Effectivement, les prophètes ont écrit que Jésus était le roi. Amen. C'est ce que Dieu a écrit. Il ne va pas venir effacer ça. Il va te fatiguer, certes. Mais il ne pourra pas annuler ça. Parce que tu as appelé à la royauté. Amen. Amen. Tu auras un mari, va te faire. Je t'aime. Ça, ça délivre pas, mais. Tous les matins, tu dis, je t'aime, c'est fini. Tu peux la donner 1000 francs. La sauce est remplie de flots. Poisson thon. Poisson capitaine. Elle va tout ramasser au marché. À cause de petit, je t'aime. Amen. Amen. Le lieu, tu ne dis pas ça, là. Ça m'a dit, voilà, hein, man. On appelle ça Dajina. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne l'élu de ton cœur. Fais l'éternel tes délices devant ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. Tu auras ton travail, tu auras ton argent, tu seras béni. Amen. Ce sont des champions qui règnent sur cette terre. Bien sûr, avec Dieu. Avec Dieu. Vous l'avez déjà, Jésus. Il est notre Dieu. Il dit, je n'explique pas, c'est un mystère. Je ne cherche pas à savoir où est le Père, où est le Fils. C'est lui qui est Dieu. Si tu ne crois pas, ça c'est ton problème. Moi, je crois ça. Moi, je crois ça. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas. C'est Jésus là qui est notre Dieu. Ah, c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Il faut prier pour moi, mais je ne suis pas chrétien. Je dis, je ne te parle pas de religion. Je ne te parle pas de religion. Je dis, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Ah, si tu vois que pour moi, elle est bonne, il faut qu'il y ait pour toi pour venir chez moi. Je ne discute pas. Tu diras, toi, mais tu ne vois pas les yeux. Tu n'as pas Dieu pour remarquer. Qui pour moi est bon, tu cours, non? Qui pour toi, puis viens chez moi. Ça se partage pas pour dire non, il faut donner un peu, pied par terre. C'est pas magie. C'est pas la fétichiste. Ah, est-ce que Dieu m'appelle, mais pour dire, est-ce que tu peux me laver un peu? Il dit, quoi? Oh, Isabelle, ouais, quoi? Non, son mille là. C'est ça qu'il y a derrière lui. Il dit à Jésus, ah non, 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 moi je suis pas chrétien. Mais je veux que tu me laves. J'ai dit, quand tu me laves, je suis un plongeur. Je lave assiette, ouvre, commence. Moi, je lave cadavre. Je suis pas un laveur. J'ai d'abord apporté l'évangile de Jésus. Si tu l'as, lui viendra. C'est un paquet où il y a tout dedans. Guérison, miracle, il y a tout. Je suis désolé. Toi, tu vois christianisme comme la religion. Je suis désolé. C'est plus que ça. Dis amen. Amen. C'est plus que ça, Jésus-Christ. C'est plus que ça. Amen. Si tu te limites à ça seulement, mais tu ne verras pas le reste s'accomplir dans ta vie. Si tu le laisses entrer dans ta vie, il viendra avec tout.
tu as besoin de guérison. Lui vient avec tout, le reste. Il y a tout en lui. C'est pour ça qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Vous savez, quand vous venez dans un ministère de prophète, il y a tout d'improvisation. Et quand tu es avec un prophète, il faut être patient. Il ne fera pas ce que toi tu veux. Tu peux programmer des choses. Il est venu ici. Il peut mettre ça. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il est dans le ministère des prophètes. Très patient. Il y a des gens qui n'ont pas été usés de patience. Moi, je les ai partis. Parce que ce que le travail que nous avons fait là, c'est un travail d'esprit. On va au rythme du Saint-Esprit. On va pas au rythme de toi ce que tu veux voir. C'est pour ça que notre village dit non. Le prophète est venu, mais n'a même pas un éveil canari ici. Je dis, c'est pas un éveil de canari. Ah, mais c'est ce que tu as fait à Zarokou là. Ah, il dit, mais ton nom là, ton village, c'est quel nom? Ton nom, ton village est pour un autre nom. Moi, c'est pas du fétichisme pour que ça se répète ou du théâtre. Pour que ce qui est à faire ailleurs, ça se répète chez vous. Moi, je fais ce que Dieu me demande de faire. Ils sont fâchés. Mais quand ils quittent le village, tous ceux qui veulent attaquer là-bas meurent. C'est ce que vous voulez ou vous voulez voir canari en éveil. Elle est fétichée quand elle est canari, et puis la sorcellerie continue. Moi, je viens pour détruire la sorcellerie. C'est le don Dieu m'a donné. Le jour où je rentre dans le village, je détruis. C'est le pouvoir Dieu m'a donné. Chacun a son don. Moi, Dieu m'a fabriqué à cause des sorciers. J'étais à la radio, j'ai dit, je cherche un sorcier dans Divo, là, un féticheur qui est fort. Je suis derrière Sainte-Pièce. Hein? On avait Carrefour député. Vous avez la pancarte, venez. Mettez-vous demain matin pour dire, je défie le prophète avec tous vos fétiches. Je te fais manger tes fétiches, tu vas te convertir. Mais c'est vrai, si les sorciers, vous voyez les sorciers là, quand ils attaquent là, que Dieu les touche, ils se convertissent, vers les bons chrétiens. Vous voyez, non, mais si, les bien chrétiens. Quand il me dit, viens me manger, il me voit gourer, me faire poco fou. Ah, kéké. Dieu l'a terrassé, les bien chrétiens, il délit maintenant. C'est comme ça. Amen. Amen. J'aurais dit à la radio, j'aimerais pas. Si vous voulez, venez. Venez essayer. Si tu as essayé, tu vas voir ce qui est derrière. Moi, il y a une grande bouche, voyez, je sais qu'il y a derrière moi. Tu n'avais pas parlé. Sorcier, c'est pas mon camarade. Ils vont me manger s'il n'y a pas Jésus. Mais ils savent pourquoi ils parlent. Je les maîtrise au nom de Jésus. Amen. Chacun a son don. Le jour où il rentre dans ton salon, il faut te dire que son sorcier, là, c'est fini. C'est comme ça. Baïgon, là, ça arrive combien d'heures? Pendant des heures, des jours dans la maison. Ou bien, c'est comme ça l'onction qui est 6 mois. Lorsqu'il rentre là, pendant 3 ans, l'onction est là. Il y a des choses, des mystères que je ne vais pas vous expliquer. Ce sont les gens qui me démystifient. Il y a des choses qui cachent. Le lieu rentre chez toi, il parle. Pendant 3 années, c'est positionné. Si tu veux, va pécher. Va, tu peux pécher. Si l'onction est là. Ce n'est pas fait de bouche. Il y a une alliance avec Dieu. Chacun son don. C'est pour ça que quand son sorcier me voit, il est obligé de désarmer. Parce que moi, c'est là, en songe. Pendant qu'il est dormi, j'ai lu les versets sur moi. Il n'y aura pas quelqu'un. Non, non, non. Lui, il est versé sur moi. 98, lui, il est versé sur moi. Pour mon appel au ministère des prophètes. Quand je me suis levé, tout mon drap et mon matelas étaient trempés d'huile. Tout était trempé d'huile. Donc aujourd'hui, là, il ne m'amuse pas. Et c'est comme un détecteur, c'est comme l'appareil dans ma tête. Je suis en 4 à des kilomètres. Dès que tu approches tes sorciers, ça s'active. Je suis dans un village, je reste souvent sous la terre. Dieu m'ouvre les yeux, c'est terrible. Tous les fétiches, je vois. Tous les trucs, je vois. C'est pas que eux, ils ne m'aiment pas. Parce que là où ils ont caché, là, je vois ça. Quand je rentre dans un village, c'est la poudrière. Où ils ont caché, là, ma. Il m'a dit tout ça d'abord. Puis je les désarme. Puis il est venu à s'affronter. Le plus fort doit tenir son camarade. Ils sont à terre. Ils sont à terre. Ils se convertissent. Chacun a son don. Amen. Amen. Si Dieu nous aide à délivrer un village en 3 jours, vos petits sorciers la manger d'orteil. Vas-y, c'est bien son délire. Soyez bénis. Vous êtes dans un ministère de prophètes. Ici, c'est le centre. C'est un centre plutôt de cabinet d'écoute. Nous prions aussi. Mais notre base, même, c'est à Zaroko. Cette semaine, nous avons veillé. Une retraite qui commence à partir du mercredi jusqu'au dimanche. Nous allons parler des mystères de temps. Comment maîtriser les esprits dans cette temps-ci. Que soyez roi. Amen. J'aurai l'occasion de positionner une action prophétique pour laver les pieds des gens. On dit Jésus a lavé les pieds des gens parce que c'est bête pour laver les pieds. C'est pour la raison. Je vais positionner ça pour que parcours passé, pour que ce soit reçu là-bas. C'est le pied qui t'envoie dans la mauvaise zone de la. Si ton pied est lié là, ce serait difficile d'avancer. Donc c'est des actions prophétiques. Cette semaine, on va positionner. Amen. Je viens de terminer, je ne vais pas faire les aveux des enfants maintenant. On va faire un cas de 18 heures. Selon le rythme de l'esprit. C'est comme ça qu'il marche. Je voulais bien faire ce matin. Le temps ne me permet pas. On va se tenir debout. Les enfants sont là pour 3 jours. Voilà. Ils ont commencé une nuit hier, 2 nuits aujourd'hui. On va poursuivre ça.